Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs sur Instagram. N'hésitez pas à m'y retrouver, à vous abonner sur mon compte et sur ma chaîne YouTube si les vidéos couture vous intéressent. Dans celle-ci, je vais vous partager un tuto d'un accessoire de cuisine. Et c'est, vous savez, les espèces de maniques pour sortir les plats chauds du four. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker. Je vous dis bon visionnage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour toute la réalisation de cet accessoire, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier, d'un crayon, d'une règle et d'un ciseau pour commencer à tracer le patron. Mais je vous rassure, il est très très facile, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un coupon de tissu, une chute de tissu. En fait, c'est pas, il n'en faut pas énormément. Vous pouvez en prendre deux pour jouer avec les motifs. Voilà, vous verrez, regardez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez que vous pouvez jouer sur les motifs. Une bande de billets et de l'éponge fine ou de la mousse ou de la ouate. Moi, je vais utiliser, je vais faire de la récupération et utiliser, alors c'est une sorte de plaid, un jeté de lit, je ne sais pas trop comment on appelle ça, un couvre-lit, mais très fin, où il y avait ce genre de mousse à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser pour faire mon accessoire de cuisine. Donc, voilà. Et bien sûr, ne pas oublier la machine à coudre pour cette réalisation. Donc, on passe à la pratique. Donc ici, sur le papier, je vais commencer à tracer un rectangle de 9 cm sur 18 cm. Donc ici, je vais venir descendre de 3,5 cm. Je fais un petit repère à 3,5 cm. Et de l'autre côté, où j'ai tracé le trait, je descends à 6 cm. Je fais également un petit repère. Je vais venir joindre les deux repères en passant par le haut de la largeur. Je vais ainsi former le demi d'un cœur, la symétrie d'un cœur si vous préférez. Si vous savez le faire à main levée, vous pouvez tout à fait le dessiner à main levée. Mais pour les personnes qui auraient du mal à dessiner, voilà, de se mettre des repères, c'est... Et on va descendre à la pointe qui se trouve ici. Donc on essaye de faire un joli demi-cœur. Voilà, on essaye que ce soit joli. Donc ici, je vais juste changer de crayon pour que vous puissiez mieux y voir. Je vais prendre un feutre et je vais redessiner mon demi-cœur. Ensuite, ici, je vais venir faire un repère à 4 cm. Et là-haut, à la pointe du haut, je vais venir faire un repère à 0,7 cm, c'est-à-dire moins d'un centimètre. Voilà, à peu près 0,5, 0,7. Et je vais venir joindre les deux repères. Donc là, on ne le voit pas forcément bien, mais j'ai mon demi-cœur qui est tracé. Je vais venir découper tout le tour et je garde bien pour le moment les deux parties ensemble.
Alors pour celles qui le souhaitent, je vous invite à noter sur le patron, pour celles qui souhaitent le reproduire évidemment, de noter ce que c'est. Alors ce sont des maniques. De cuisine coupée deux fois sur tissu et on va couper au pli ici. C'est bon? Donc voilà, ce sont des maniques, maniques avec un S, hop, de cuisine à couper deux fois sur le tissu et on va venir couper au pli de ce côté-là. C'est parti. Donc là, j'ai mon tissu que j'ai plié une première fois comme ça et que je vais venir plier une deuxième fois pour avoir mes deux coupons de cœur comme ceci. Vous pouvez le faire en deux fois, hein. Moi je le fais en une fois, comme ça au moins c'est fait. Et je vais venir poser mon patron ici en laissant un centimètre tout autour qui va correspondre au centimètre de marge de couture. Je vais venir faire la même chose sur le coupon de la ouate que j'ai ici. Ma partie de la ouate est découpée. Je vais passer maintenant à la partie pour les mains. Donc le trait que j'avais fait dans le cœur, je vais venir plier ce trait-là, comme ceci. Ce petit bout qui me dérange, je peux le rentrer comme ça. Ce qui fait qu'il va me rester cette partie-là. Que je vais venir découper deux fois sur le tissu principal. Je n'oublie pas de laisser ma marge de couture. Et je vais maintenant couper deux sur ce tissu. Alors pour que ce soit clair pour vous, je vous montre ce que j'ai réellement découpé. Donc j'ai découpé deux cœurs entiers qui sont là sur tissu. Couper deux fois et une fois sur la partie mousse que vous aurez. Donc voilà, et la partie la deuxième partie que je vous ai montré qu'il fallait plier, donc je l'ai coupé sur tissu quatre fois et sur la ouate sur voilà, sur cette éponge là, donc ce sera coupé deux fois.
Donc maintenant, nous allons passer à la couture et je vous montre comment on procède. Donc ici, on va placer le premier cœur, l'envers du tissu vers nous, face à nous, et l'endroit donc du côté de la table. Ensuite, on va venir déposer le cœur en mousse ou en éponge ou en ouate, la ouate là que vous avez découpée auparavant, vous allez venir la poser dessus. Bien, moi j'ai un tissu qui est encore, mais ne faites pas attention à ce tissu. J'ai pas voulu l'enlever pour pas défaire la couture sur le lawatt, mais voilà. Donc ensuite, on va venir poser le deuxième cœur côté endroit vers nous, face à nous. Donc le côté envers et du côté de lawatt. D'accord? Donc on dispose bien comme ça. Et avec la machine à coudre, on va piquer, on va faire des lignes droites comme ça, espacées de peut-être 2-3 cm, et on va en refaire en diagonale, comme ça. Je vais vous montrer et vous allez voir ça. Donc voilà, moi je vais partir voilà, un peu du côté, là, du bord, mais vous pouvez tout à fait commencer au milieu et faire vos lignes parallèles plusieurs. Et ensuite, retourner le cœur pour faire des lignes perpendiculaires à celles que vous venez de faire. Donc, c'est parti. Donc, là, je vais faire des lignes. Donc, je vais essayer de poser le téléphone parce que je ne peux pas coudre et filmer en même temps. Donc, je vous montre ça en accéléré, mais je vous montre le résultat juste après. Alors ici, voilà ce que ça donne. C'est en fait, cette technique, ça permet de donner un relief à la réalisation que vous êtes en train d'effectuer. Et là, je vais juste venir couper tous les fils voilà, qui pendent. Et je vous retrouve. Une fois que j'ai terminé cette partie-là, je vais faire la même chose avec les petites parties que j'ai. Donc, je vais prendre ce petit tissu-là. Je vais mettre la lawatte à l'intérieur et je vais refermer avec hop avec l'autre partie comme ça et normalement j'en ai deux comme ceci. Voilà et on fait la même chose que le cœur. J'en ai deux donc je vais faire la même chose avec les trois pièces qui me restent. Je vais les prendre la lawatte en sandwich et je vais exactement faire la même chose. Donc ici, on va prendre cette partie et on va venir déposer du billet sur la partie ici qui est droite tout le long. On va faire ça sur les deux parties droites. Ici qu'on a cousu notre billet sur les petites parties, on va venir les prendre et les disposer voilà comme ceci sur le cœur qui est en entier ici de cette façon. On va bien espacer les deux billets en fait, on va bien les espacer de façon à rejoindre le cœur qui est dessous et on va venir coudre tout le tour du cœur pour maintenir les deux petites parties là sur le cœur. Donc je fais ça et je vous retrouve après.
Alors, une fois que j'ai assemblé les petites parties sur le cœur, il me reste à poser du billet tout autour du cœur. Alors ici, avant de terminer la couture de mon billet, je l'ai fait de ce côté-ci. Il me reste à le fermer de ce côté-là. Mais avant, je voulais poser cette petite bande de billets, de la replier comme ceci. Hop, je vais y arriver. Voilà, et de venir la fixer ici avant de refermer pour pouvoir suspendre. Voilà, ça va me servir de suspension. Et j'aurai terminé. Donc je fais ça et je vous montre le résultat final.